Les membres de l'Alliance pour la République, APR, se sont réunis ce 10 août 2023 à Conakry pour notamment parler du coup d'État au Niger, mais également du décret pris par le président de la transition modifiant le mode de désignation des conseils de quartier et district en Guinée. En ce qui concerne le coup d'État au Niger, l'APR a condamné cette situation qu'elle qualifie de malheureuse pour ce pays frère de la Guinée. Elle exhorte les chefs d'État de la CEDEAO réunis ce 10 août à Abuja au Nigeria de privilégier l'option diplomatique à celle militaire envisagée ces derniers jours par l'instance sous-régionale qui avait même fixé un ultimatum aux putschistes qui ont renversé Mohamed Bazoum pour qu'il soit rétabli dans ses fonctions de président. Ce qui s'est passé au Niger est une situation malheureuse. Et les leaders, n'est-ce pas, de l'APR, dans leur écrasante majorité, ont condamné vigoureusement ce coup d'État-là. Puisque pour nous, c'est la démocratie qui est le pilier, n'est-ce pas, du développement socio-économique de nos différents États. Et c'est en renforçant, n'est-ce pas, la CEDEAO que l'Afrique de l'Ouest pourra, n'est-ce pas, prospérer, que les populations d'Afrique de l'Ouest pourront, n'est-ce pas, bénéficier des retombées de nos immenses richesses. On ne peut pas, nous, en tant qu'un politique, encourager un coup d'État. Parce que pour nous, un coup d'État, c'est un danger pour la démocratie. C'est un danger, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, comment on appelle, les valeurs réelles humaines. Et donc, c'est pratiquement la fin du multipartisme. Et si on encourage les coups d'État, en ce moment-là, nous mettons en péril la paix sociale. Et c'est pourquoi nous pensons que la CEDEAO doit prendre ses responsabilités pour mettre la pression, n'est-ce pas, sur la junte au pouvoir pour que l'ordre constitutionnel revienne dans les meilleurs délais dans ce pays frère dans ce pays frère de la Guinée. Quant au décret modifiant la loi sur le mode de désignation des conseils de quartier et district auparavant fait au prorata des résultats obtenus dans ces lieux par les listes de candidature à l'élection communale permettant que le président du conseil soit désigné par l'entité politique dont la liste est arrivée en tête dans ces lieux, Francis Abba estime qu'elle n'est pas nouvelle, mais il prévient que ce décret aura des difficultés d'application sur le terrain. Tous les régimes précédents ont nommé les chefs de district et les chefs de quartier par décision administrative. Donc la décision du président de la transition n'est donc pas nouvelle. Cependant, il y a une loi électorale qui est au-dessus, n'est-ce pas, des décrets. Parce que quand on pense à la hiérarchie des normes, la loi, n'est-ce pas, qui a la loi électorale en vigueur, qui a été votée sous le professeur Alpha Condé, mentionne que les chefs d'État et les chefs de district doivent être élus. Et donc, c'est cette loi qui est en vigueur et c'est cette loi qui peut être appliquée sur le terrain. Le décret, même si on ne peut pas le condamner, puisque la loi, la loi électorale qui avait été votée avait été extrêmement critiquée. Elle a eu des difficultés d'application sur le terrain. Mais tout comme ce décret-là aura des difficultés parce qu'un décret ne peut pas être appliqué pendant qu'une loi est en vigueur. C'est pourquoi j'en appelle, n'est-ce pas, au bon sens, n'est-ce pas, du CNT, n'est-ce pas, pour qu'ils prennent leurs responsabilités assez rapidement pour amender le code électoral en cours, mettre à jour pour tenir compte, n'est-ce pas, du décret du président de la transition pour qu'il soit applicable sur le terrain.